En 2019, le prince Harry avait refusé une main tendue de son grand frère. Le mari de Meghan Markle avait peur que ce rendez-vous soit rendu public. Les relations entre le prince Harry et le prince de Galles semblent être compliquées. Les relations entre le prince Harry et son grand frère, le prince de Galles, ne semblent pas vraiment être au beau fixe. Seulement, en 2019, le prince William aurait tendu une main à son petit frère, juste après la diffusion du documentaire Harry et Meghan, en African Journey, filmé lors de la tournée du couple royal en Afrique du Sud qui s'était déroulée quelques mois plus tôt. Par l'intermédiaire de son compte WhatsApp, le prince de Galles avait proposé une rencontre au mari de Meghan Markle. Selon les informations du Daily Mail, datées du 2 octobre 2022, le prince Harry aurait dans un premier temps accepté cette main tendue avant de la refuser. Il se serait senti très mal à l'aise devant cette proposition. Le prince Harry aurait demandé à son frère qui aurait été mis au courant de cette entrevue. Le prince de Galles lui aurait alors expliqué qu'il devait en informer son secrétaire particulier. Devant cette information, le père d'Archie et Lilibet auraient reculé devant cette main tendue. Il craignait que toute l'équipe du palais de Buckingham ne divulgue cet entretien à la presse. Il a donc pris la décision de ne pas voir son frère. Le prince Harry avait évoqué, dans le documentaire, sa relation avec son grand frère si le mari de Kate Middleton avait voulu voir son petit frère après la diffusion du documentaire, si est-ce parce qu'à l'époque, il avait fait l'effet d'une bombe au palais de Buckingham. Les amoureux avaient fait quelques confidences au journaliste Tom Bradby. Meghan Markle s'était ainsi confiée sur sa vie de jeune mariée et de maman. Elle avait assuré qu'elle ressentait une certaine pression sur sa santé mentale et physique à cause de sa position de duchesse de Sussex. De son côté, le prince Harry avait évoqué sa relation avec son grand frère. En ce moment, nous sommes certainement sur des chemins différents. En tant que frère, vous savez, vous avez de bons et de mauvais jours, avait-il lancé. Aujourd'hui, les relations entre les deux enfants du nouveau roi d'Angleterre, Charles III, semblent être plus détendues. En effet, durant de nombreux mois, le contact était coupé entre les deux hommes. Seulement, à la mort d'Elisabeth II, à l'âge de 96 ans, ils sont apparus à de nombreuses ensembles côte à côte. Tous les deux se sont soutenus dans le chagrin de perdre leur grand-mère. Ils ont également pu compter sur leurs femmes respectives qui n'ont cessé d'être présentes pour leur mari. L'avenir s'annonce sans doute plus radieux. À propos de l'auteur Marine T. Ses derniers articles.